faire bannir, enculé. Ciao. Refollow-moi, frère Néo, parce que j'avais été banni, je t'avais plus. Mais non. Les gars, on voit rien à l'image. Voilà. Putain de merde, elle m'a ban. On voit rien, on voit rien. Ah, j'ai envie d'en pleurer tellement je suis contente. Mais regardez, c'est vraiment écrit. Merci l'admin, ça revient. Non, ça revient les gars, je crois que je suis des bans. Non. Ouais, ça revient. Non, il va se faire des bans. Je suis des bans les gars, je suis des bans, on est des bans les gars. Non. Yes, on est des bans. Bonjour Edouard, comment vas-tu? Oh Emmanuel, qu'est-ce qu'il y a? Oh, salut, au revoir, l'ami. Faut te faire soigner, Soufiane. Au revoir. Quelqu'un qui est malade, voilà. Emmanuel Cloquin, le petit Manu et Marcos Pou. Alors, on va faire monter dans Edouard. Manu. Bien. Voilà, donc je vais vous traiter. Non, mais ce que vous comprenez... Oh, de mon petit rayou. Ah ouais, tu te soignes, ouais, connard, tu te soignes. Je me protège, je te pique. On t'a dit, on se protège, on te pique. Il a tué. Il a tué le mauvais. Ça va, non? Salut les gars. Oh, ça va. Toi ça va, toi c'est normal les vêtements. C'est quoi les armes là? Merde, ils vont m'embarquer madame. Allez, on y va. C'est vrai, oh merde. Putain, j'ai rien fait. J'ai rigolé. Ah ouais, moi je suis moche, c'est ça. C'est bon, j'ai rigolé, hein. Je n'ai rien fait. Je vais payer, non, c'est non, bon. Non, je suis d'accord. Mais c'est quoi cet outfit il est de... vraiment sexy. D'écolière, là. Tu verras, mais ouais. T'as pas la taille d'une basket de sang, bref. Adios. Bah, toi, tu vas vite descendre, mon chef. Comment ça, je vais vite descendre? Il y a un moment, je me sens volé et le chat aussi. Le 11. Ceux qui ont participé se sont tous volés. Mais non, parce que je vais tenir pour... Je vais le faire si j'ai... Si tu veux pas de révolution, tu me donnes une date et une heure maintenant. Bah le 11 septembre... Ah le 11 juillet. 11 juillet, quelle heure? 19h. 20h, ouais, attends. Ok, écoute-moi, je vais dire des phrases de fou maintenant. Le Coran de la Mecque, si le 11 juillet 20h t'as pas démarré ton sabbaton, je débute une procédure avec mon avocat pour vol. Bah y'aura pas que toi, y'en a d'autres aussi qui ont... ouais, c'est vrai qu'il reste des heures, ouais. Les avocats sont pas mauvais, mes avocats, hein. Moi j'ai quelque chose à dire, t'as vu ou pas? Toi tu dois organiser aussi un truc parce que c'est bien beau de lui dire lui il doit faire ci, il doit faire ça. Veut, mais toi alors t'as quoi en échange? Je suis au chômage, moi je suis au chômage. Ouais. Toi aussi beaucoup là. Non mais faut se détendre le string un peu là. Je veux dire quoi là? Merde, je dois répondre quoi? Non mais je sais pas si on me flingue parce que je suis une meuf hein, mais Non, y'en a voir, j'ai dit ça à tout le monde, j'ai parlé aux autres. Est-ce que bon, ça fait 3 fois d'affilée qu'il y a un mec qui arrive dans le vocal, c'est pour me dire que je suis boosted alors que je suis montée T4 en solo queue, alors bon, tout en étant au TP Kalista. Bref. Mais c'est quoi, c'est full book ou quoi sur ce jeu là, je comprends rien. Du focus Twitch, on sait quoi ça? Ah c'est un perso aussi, c'est un truc dans le jeu, c'est ça? Sa mère. Je comprends rien. Pourquoi tu focus pas Twitch, sérieux? Pat Mito. Non mais je te le répète, pourquoi tu focus pas Twitch, sérieux? Mais chef, maître du channel, kick-le ma gueule frère, ça y est, je veux bien être sympa mais... Je sais pas comment on kick. Ok bah, tu vas dans n'importe quel channel textuel, tu fais slash channel deny et tu mets son pseudo. Les gars, de toute façon, quand je vois les gants inexistants que j'ai juste envie de snowball la game. Ça marche mec. Ils vont pas encore kicker. Y'a peut-être moyen de recaler des punchs. Juste file pas le mid mec. Désolé. Je pleure les gars. Après, je sais pas si tu penses que je le fais exprès ou je sais pas quoi, mais je suis pas exprès. Hein. Je suis juste en train de. Non, mais il est en train de te foutre le mec. Je t'assure que. Regarde Malène, comment je l'agir. Bah, je sais que je vous rends pas bien non plus, tu vois. Ouais, mais juste améliore-toi, c'est tout. On te demande juste ça. Bon. Je demande gentiment. Ce que je fais, j'essaye de. Nique ta mère. Ouais, ça marche. Juste file comme ça, t'en fais pas, fais pas exprès, s'il te plaît, c'est pas possible, t'es fer ou quoi? Ouais. Chef, t'es en 0-3. J'ai lu la phrase,
J'ai même pas eu la bonne intonation. Voilà, c'est tout. La phrase de ta... Hein, Mathias, faudrait que tu mûrisses un petit peu, tu vois. Et c'est vrai, elle est montée plusieurs fois. Il y a même quelqu'un qui nous a dit qu'on va avoir des projets. Et après, il prend ses rêves pour la réalité. C'est Mathias qui dit lire. Je peux passer sur sa chaîne rayer. Ça me dérange pas, Nazi. Fifi. Et ben moi, j'ai le courage aux mes opinions. Il est en pré-shooting de best-of. Ah, il est en pré-shooting de best-of. Les maris. Manu, juste une question. Oui. Si c'est juste, par exemple, un pendassoir qu'on fait juste l'amour, mais qu'il n'y a pas d'histoire d'amour, c'est juste du sexe. Là, tu alors, ça m'étonnerait. Alors, ça m'étonnerait parce qu'elle est fidèle. Ouais, si, là, je pense. Ah, bah oui. Ouais. Mais, Michel, j'ai beaucoup. Et je te dis, oui. Michel. Ouais. Michel. Non, pas du tout. Ah, non, parce que la bonne histoire. Oli, je parle. Oli, pas au sens. Voilà. Non, bah oui, mais... Oui. Non, mais c'est pas... Alors, je veux te dire, c'est pas ce qui l'intéresse pour le moment. Il y en a qui jubilent, là, de les voir les mots, les gars. Vous êtes des bâtards. Ça va sinon, Michel, ça va mieux de la voir, quoi. Bah, mais... je pensais avoir trouvé l'amour, mais bon, tant pis, hein, écoute, au pire... Bah non, parce que, t'inquiète pas, je peux dire que quand on se voit, oh là, jamais vu un admirateur comme moi, hein. Mesdames, mesdames, messieurs, je vais faire venir beaucoup de demoiselles. Ce que vous avez pas compris, c'est qu'elles ont pas flashé pour vous. Vous rêvez, elle vient pour s'exprimer. Alors on va voir qui c'est qui veut monter. Vous êtes des beurs. Comment ça, tu sens un... Mais t'es ouf, toi. T'es là, tu t'es un bédouin. Les gens comme moi. Mais t'es un bédouin, toi. T'es un bédouin, t'es un mec du désert. Mais je vais te... Merde, tu vas voir c'est quoi les tu pisses dans des doigts. Pourquoi vous dites... Oh merde. Eh va ta mère, toi. Mais wesh, avec tes parasites dans ce truc, c'est quoi. Va niquer ta mère. Salam, ça va, tu vas bien? Toi. Vas-y, exprime-toi toi aussi. Voilà, il y a que des gens depuis tout à l'heure qui s'expriment, ils vont tous leur mettre une baffe, ils vont tous retrouver Capitaine Crochet devant eux en train de faire du skate. Vas-y, ah, qu'est-ce que tu veux dire? En fait, je comprends pas, je sais pas ce qu'il a dit tout à l'heure, le Renoir. En gros, je vais t'expliquer. Il y a un mec qui est venu au tout début, ouais. Il dit quoi? Il dit, elle est à toi, comment on fait pour ouvrir une Smart? Oula, toi, tu crois que tu vas dormir ici? Je vais te ta mère. Allez. Qu'est-ce qu'il y a toi aussi encore? J'avais pas vu. Bonjour Edouard, comment vas-tu? Oh Emmanuel, qu'est-ce qu'il y a? Salut, au revoir l'ami. Faut te faire soigner, Soufiane. Au revoir. Quelqu'un qui est malade, voilà. Emmanuel Pekka, le petit Manu et ma grosse pouce. Alors, on va faire monter dans Edouard. Manu. Bien. Voilà, donc je vais vous traiter. Non, mais ce que vous comprenez pas, je vais faire monter beaucoup de personnes, des collègues. Non, n'écoute pas ce qu'il a dit. Non, t'es un mec. Non, écoute pas ce qu'il a dit, il a dit la merde. Sa tête de l'homme. Choquette. Il m'en a compris. Ma tête dans ta grosse neck. La fille du soleil retournera en Angola. Non. Tu pourras donner la parole aux gens, c'est depuis là-bas. Oh petit Manu, cela ne t'arrêtera pas, crois-moi. Il applaudit. Jamais. Là-bas, il paraît que ça ne copie pas. Malheureusement, il y a la guerre. Tu pourras faire du rhinocéros et aussi tremper ton anaconda. Pourquoi pas avec chalalalalala. Et du coup, vous parliez de quoi juste avant? On parlait de musique, la fête de la musique. T'es en train de te faire hacker? Faut que tu coupes ton live. Il a ton IP, faut que tu coupes ton live. Tu le relances. Cache-toi, cache ton image. Il est en train de te hacker, ouais. Fais attention, ouais, relance ton live par sécurité. Parce que là, il a ton IP, là. Allez, continue de te faire bannir, enculé. Ciao. Refollow-moi, frère Néo, parce que j'avais été banni, je t'avais plus. Mais non. Les gars, on voit rien à l'image. Voilà, voilà. Non, t'es pas calmé. Voilà, tu veux jouer plus fort que toi, va te faire enculer. Prends ça en photo pour montrer à Yazo. Je m'en bats les couilles, je viens de le bannir dans son putain de live. Putain de merde, elle m'a ban. On voit rien, Ah, j'ai envie d'en pleurer tellement je suis contente. Mais regardez, c'est vraiment écrit.
Demandez à un admin s'il veut pas m'enlever le message, les gars. Demandez à un admin. Ah, merci. Merci, l'admin. Merci, l'admin, ça revient. Non, ça revient, les gars. Je crois que tu débannes. La dernière fois, c'est la même chose que ça. Rien faire, je crois. Non. Ça revient. Non, il va se faire débannes. Tu débannes, les gars. On débannes, les gars. Yes. On débannes. Tu vois ce que j'en fais de ton romantisme? Tu te mets un doigt dans le cul. Si tu veux un deuxième, je te mets un deuxième. Si tu veux un troisième, je te mets un troisième. Moi, face de geek, je vais t'écarter la lale. Je vais t'écarter le cul. Non, mais il est bourré ou quoi? Je vais te faire un cul comme une bouche de métro. Alors, ferme ta gueule. Le romantisme, tu vois ça ailleurs, avec un autre mec. Qu'est-ce que tu penses? Mon gros Manu, je peux te dire une chose? Je suis pas gros, déjà. Ah bah, je suis normal. Ah bah, attends, parce que j'ai vu quand même une photo de toi. Quand même. Ah bon? Regarde, quelle photo? Ah déjà, Baptiste, enlève ça, c'est pas moi. Là, ça, c'est encore un montage. T'as quand même un bon bide. Bah ouais, mais alors déjà, Baptiste, moi, c'est la première fois que je vois cette photo. Début musicaux. Et j'ai fait un clip, c'est grâce à une histoire d'amour qui a commencé. Et toi, t'as commencé par quoi, Mathilda? T'ai découvert sur Pornhub, c'est un site de musique indépendant. On y trouve aussi des danseuses assez olé olé. D'accord, bah je t'écoute. Que je chante, je sais plus trop. Ah d'accord, bah c'est bien. Bah je t'écoute, Mathilda. Aujourd'hui, je célèbre ton talent, oui, en chantant. Aimerais que tu me fasses un bon enfant. Tout ça, après avoir sniffé de l'encens. Est-ce pas que vrai, oh petit coquin, oh mon petit cloquin. Jamais de rancœur, se levant à 4h du matin, chaque matin, Hélène admire les marins. Du vent du Judani, elle s'appelle pas Stéphanie. Elle est née au mois d'avril. N'est jamais fait ne possédant pas tel badin. Du persil. Aussi, elle adore l'amour. Toujours aimante. Tu vois, c'est un peu de faire preuve d'imagination, pas comme un zibou-zibou. Une copie. C'est irréel. Ça fait des années, les insultes, qu'on reprend sa chanson. Je viens d'eau et des beaux cheveux que moi, aimer danser. Et faire preuve d'une grande imagination en écoutant ta chanson. C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste. Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche.